à toutes et à tous. Bienvenue dans la seconde partie de ce chapitre 7 consacré au plugin Analogue FX Pro 2. Alors je vous rappelle que dans la première partie, nous avions travaillé cette image avec les pré-réglages d'un appareil photo classique. On avait donc appliqué des réglages standards qu'on avait personnalisés. On avait ajouté des saletés et des rayures un vignettage, l'objectif et un type de film chaud. À partir de là, nous avions terminé notre travail sur l'image, mais par contre, j'aurais envie d'ajouter un effet un peu particulier à cette image. Alors, je suis limité parce que j'ai que ces outils dans ce réglage général d'un appareil photo classique. Mais heureusement, Unique Collection a tout prévu. Je peux ajouter un autre outil. Alors, comment faire On va dans l'équipe d'appareils photographiques, les combinaisons d'outils, plutôt, et les outils. Là, je vais choisir Créer un appareil. Alors, je garde tous les outils spécifiques à l'appareil photo classique. Vous voyez, c'est ceux qui sont en gras. Ceux qui sont grisés, ce sont les réglages qui ne sont pas utilisés par l'appareil photo classique. Alors on retrouve réglages standards, et rayures, vintage de l'objectif et type de film, c'est bien ça. Là j'aurais envie d'ajouter, pour se faire plaisir, hein, pour la démo aussi, peut-être un peu d'ailleurs, une double exposition. Alors comment faire Je sélectionne double exposition. Je clique sur plus. Et là, vous voyez qu'un nouvel outil s'ajoute aux outils précédents que j'ai déjà utilisés, la double exposition. Alors, je peux faire une double exposition avec l'image en cours, comme si elle avait reçu deux expositions sur, le même, sur la même pose. Là, je vais le faire avec une deuxième image, je peux le faire. En cliquant sur plus ici, vous voyez, j'ai deuxième exposition, plus. Et là, je choisis une autre image. Je vais intégrer un visage sur mon paysage. Vous voyez, ça se fait automatiquement avec les réglages par défaut. Alors, je peux choisir pour cette deuxième image une exposition un peu plus claire ou un peu plus foncée. Vous voyez si je vais dans un sens ou dans l'autre, là je vais peut-être rester dans quelque chose d'un petit peu plus clair pour donner cette impression onirique. Et vous voyez cette image, par l'intermédiaire de cette zone graphique, je peux lui appliquer des rotations. Ce que je vais peut-être pas trop faire là, je peux la déplacer en déplaçant le centre de mon rectangle-là, je peux l'agrandir, la zoomer, donc. Vous voyez que c'est très, très bien fait. Là, je vais laisser les yeux dans le ciel. Voilà, je vais peut-être la déplacer légèrement, comme ceci, et laisser la bouche dans la verdure, pourquoi pas. Là, j'ai une balance entre l'exposition des deux images. Vous voyez, je peux la... Je peux donner un peu plus de présence à la seconde image ou bien à la deuxième. Là, je vais effacer un petit peu la deuxième, vous voyez, pour qu'elle soit vraiment euh, comme une apparition dans le ciel. Voilà, je vais laisser comme ça. Voilà un effet spécial qui peut être intéressant pour vos photos. Je crois que ça vaut le coup. Euh, et ça économise aussi si vous, êtes, si vous êtes dans Photoshop, ça vous économise pas mal de calques et de travail. Il suffit d'appeler ce plugin. Si vous êtes dans Lightroom, ça rajoute des possibilités à Lightroom de retouche photo considérables. Un l'apport de Nick Collection, qui je vous le rappelle, est maintenant gratuit. Ça augmente considérablement. Les possibilités de retouche de Lightroom. Je rappelle aussi que mes tutos sont entièrement gratuits, donc euh, mon but n'est pas lucratif, c'est simplement de partager mes modestes connaissances. Alors, imaginons que ces réglages vous plaisent, et bien vous pouvez les enregistrer pour ne pas les perdre, et la prochaine fois vous aurez la possibilité sur un appareil photographique classique d'ajouter une double exposition. Je clique sur Enregistrer, je donne un nom à ce preset que je vais créer, bon, je vais l'appeler Démo, Demo Tuto, je clique sur OK et vous voyez que dans les presets personnalisés, je trouve un nouveau preset qui s'appelle Démo Tuto. Vous voyez que c'est très intéressant. Ce preset, je peux le supprimer en cliquant sur la croix. Je peux le mettre à jour. Si j'ajoute un nouvel outil, par exemple, j'aurai la possibilité de mettre à jour ce, ce preset personnalisé. Et je peux aussi l'exporter en cliquant sur cette flèche. Donc, je l'exporte dans un dossier. Alors vous commencez à mesurer toute la puissance de ce plugin qui contient des outils assez intéressants. Même si on ne veut pas donner un air argentique, un peu vieillot à nos photos, on peut très bien utiliser ce plugin pour ajouter des effets spéciaux à nos images. Donc on va un petit peu les explorer. Euh, ce qu'on va faire, je ne vais pas faire toutes les combinaisons d'outils les unes après les autres, ça n'apporterait pas grand-chose à votre connaissance. Ce ne sont que des outils qui sont regroupés dans des grandes catégories, en fait. Par contre, on va explorer tous les outils qu'on n'a pas vus, euh, car je crois que ça vaut le détour, euh, et ça vaut le coup, ça mérite une, une explication. Alors, pour ce faire... Je vais prendre une autre image, peut-être. Je vais annuler cette image. Je retourne dans Lightroom. Je vais choisir cette image, par exemple. Alors, je clique droit. Modifier dans. Analogue FX Pro 2. Espace Pro Photo. Modifier. Je suis dans Analogue FX Pro 2. Euh, sur cette image, il m'applique euh, par défaut appareil photo classique euh, avec le pré-réglage euh, numéro 1. Bon, ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne veux pas de, de lui donner un, un air argentique à cette photo. Donc, ce que je fais, eh ben, j'annule les réglages en décochant les cases à cocher de chacun des outils. Voilà, et je retrouve mon image d'origine. Et là, je vais lui appliquer un outil qu'on n'a pas encore vu. Par exemple, un zoom avec effet de flou. Pourquoi pas Voici, donc il m'applique euh, l'outil euh, par défaut. Avec les réglages par défaut, pardon. Je peux modifier ces réglages. Soit avec les curseurs. Oui, J'ai toujours deux possibilités en fait sur ce type de réglage. Soit avec les curseurs, soit avec euh, le graphique qui se trouve au centre de mon image. Alors comment ça se passe Au centre de l'image, nous avons un cercle qui représente une zone protégée, qui n'est pas floue, qui est nette. Tout autour de l'image, dans cette zone-là, c'est comme c'est une zone, là c'est la zone de transition en fait, hein, le deuxième cercle. Et puis tout autour de l'image, nous avons comme si on avait donné un coup de zoom avec notre appareil photo, avec un effet de flou. Vous voyez, c'est très sensible sur le sol. Ça, ça marche très bien sur des photos de nuit aussi. Donc ce que je vais faire, là je vais décentrer l'image pour que mon temple soit le centre d'intérêt. Je vais protéger le centre. Je vais agrandir un petit peu la zone d'honnêteté, en fait. Vous voyez. Voilà. Je peux régler l'intensité du zoom. En agrandissant la zone de transition. Je peux le faire aussi avec le graphique, hein, toujours. Oh, Peut-être pas l'intensité du zoom. Hein et l'intensité de la rotation. Vous voyez, il y a un effet de rotation sur le zoom. Alors ça je peux le faire aussi manuellement. On va faire comme ça par exemple. Voilà. Un effet spécial. Alors ça marche très bien, j'en ai pas sous la main là, mais ça marche très bien sur des photos de nuit. Vous pouvez donner cet effet de de, de coups de zoom sur vos lumières, c'est assez intéressant. Euh, ça vous évite de le faire manuellement, mais je vous le conseille pas. Hein. Le but du jeu, c'est de prendre des photos et de s'amuser avec son appareil photo et de ne pas tout faire en post-traitement. Bien évidemment, les meilleures photos sont celles qui n'ont pas à être touchées. Alors, autre outil, je vais annuler celui-ci. Euh, la distorsion, peut-être pas sur cette image, le flou directionnel. On peut s'amuser à faire un flou directionnel. Voilà. Donc vous voyez que j'ai très peu de, de curseur hein, dans, ce, dans cet outil. Par contre, vous voyez que j'ai un graphique un peu plus complexe là. Alors toujours pareil, hein, le centre est protégé du flou. Là, je peux le décentrer. La flèche donne la direction du flou. Je peux la déplacer, je peux l'agrandir. La, vous voyez que c'est très très bien fait. Alors, vous voyez quand je tourne un peu, c'est très sensible. Hein. Là je change complètement la direction du flou. On va la mettre comme ça. On va agrandir un petit peu pour donner la forme du temple. Pour s'amuser un peu. Hein. Voilà. Je pourrais ajouter un autre point de flou pour compliquer complètement la chose. Alors là, bon, je ne vais peut-être pas le faire. Vous voyez, on peut ajouter une, un flou dans une autre direction. Ça va se croiser, ça va peut-être pas être chouette. Là, ce que je peux faire, c'est peut-être diminuer l'intensité du flou. C'est peut-être un peu too much. Voilà, comme ceci. Vous voyez, ça peut donner des choses assez sympas. Euh, on peut vraiment s'amuser. Bon, là, c'est peut-être pas approprié sur cette photo, mais vous comprenez le principe. Euh, voilà, c'était un deuxième exemple d'outil. Voilà, nous allons voir un autre outil. Alors, j'annule celui-ci, qui est la distorsion de l'objectif. En fait, ici, on n'a pas de, de graphique hein, qui va nous permettre de faire des réglages manuel à partir du graphique mais là c'est pas possible donc on, a la dist on va simuler en fait une distorsion de l'objectif donc une distorsion convexe oui, je manipule comme ça vous voyez mieux ou concave comme si on avait vraiment des objectifs pourris là on va faire quelque chose de concave et on va même simuler les défauts de l'objectif avec une aberration chromatique. Alors, on va prendre alors des franges rouge-cyan ou bien des franges euh, vert-magenta ou bien des franges bleu-jaune. On va prendre rouge rouge-cyan et on va y aller un petit peu fort. Alors là, on va zoomer pour voir l'aberration chromatique. Alors, je vous rappelle qu'une aberration chromatique, ça se visualise à travers des franges rouges ici et cyan. Alors, je ne sais pas si vous les voyez sur les sur les contours en fait, mais on les voit très bien. Hein, on voit très bien le rouge. Euh, si je force un peu, donc je peux les adoucir ou bien les faire beaucoup plus franches. Là, avec du vert. Et là, avec du bleu, vous voyez que c'est vraiment assez puissant. Hein ça simule très bien un objectif à grand angle qui vous génère des aberrations chromatiques dans certaines conditions. Et on peut aussi simuler une défocalisation. Là, elle est à zéro. Vous voyez, plus j'y vais, plus ça devient flou. C'est très, très léger, hein, mais. C'est aussi très léger sur un appareil photo. C'est pas mal fait du tout, hein, vous voyez. Voilà, donc c'était un autre, un autre outil, une autre possibilité. Euh, on s'escrime se, on à supprimer les défauts de l'objectif euh, dans Lightroom et on peut euh, s'amuser à les rétablir dans Nick Collection. Pourquoi pas? Je ne sais pas si cet outil est très important, mais ça existe. Donc là on va continuer notre découverte des outils. Ceci dans une autre vidéo, pour ne pas trop charger cette vidéo et pas trop vous ennuyer trop longtemps et que vous ayez un peu le temps de vous reposer. Je vous dis à très bientôt dans la vidéo suivante.